je me lève le matin, je vois la lune, je lui tends la main. Je la remercie de m'éclairer, puis le soleil prend le relais. C'est un nouveau jour qui commence, alors démarre une nouvelle danse. Quand je me lève le matin, je dis bonjour à mes voisins. J'hésite à mettre les infos ou écouter à la radio les flots d'horreur qui n'arrêtent pas, le noir qu'on nous jette sur un plat. Chaque nouveau jour est un enfer, qu'adviendra-t-il de notre terre? J'aimerais de nouveau rêver et voir que le monde peut changer. Si on changeait notre façon de voir les choses, on se raconterait des histoires bien moins moroses. Si on tendait la main à ceux qui ont besoin, si on redonnait l'espoir à tous ces gamins, si on changeait notre vision de la différence, qu'une couleur de peau n'inspire plus la méfiance, un jeune n'est pas forcément en délinquance, ni un quinca considéré d'incompétence. Quand je commence ma journée, je ne me pose pas la question. Je prends un petit déjeuner, chez nous c'est une tradition. Puis je descends dans le garage, démarrer mon automobile pour aller travailler bien sage à mon bureau ou à l'usine. Alors bien sûr le quotidien n'est pas tous les jours très marrant. Je fais la gueule ou je me plains car c'était mieux avant. Je travaille trop, je suis mal payé, tout le monde est triste et fatigué. J'aimerais de nouveau rêver et voir que le monde peut changer. Si on changeait notre façon de voir les choses, si on pouvait tous travailler pour une même cause, celle qu'on apprend depuis notre plus tendre enfance. Trois jolis mots qui sombrent dans l'indifférence, si on pouvait leur redonner toute leur place. Égalité, fraternité, ce serait classe. Une liberté bien malmenée, parfois ailleurs. Si tous ensemble on crée ce monde meilleur. Quand je termine ma journée, enfin quand je rentre chez moi, je retrouve mon nid douillet, je suis heureux d'avoir un toit. S'il y a du bruit dans la maison, j'ai la chance de n'être pas seul. Je peux parler, on me répond, pas besoin de me saouler la gueule. Tout ce que je viens d'évoquer fait de moi un privilégié. Je ne suis pas riche, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, c'est déjà tant. Et quand je peux, je fais un geste, ma goutte d'eau dans l'océan. Alors je me mets à rêver, changer le monde c'est maintenant.